Exclus Charlotte Gassio, Sam, la fille de Michel Bernier et Bruin Ogassio et Gaga de ses jumeaux Ils sont merveilleux / Elle est de retour / Charlotte Gassio campe Aurélie Schneck dans la deuxième saison de Sam, la série à succès diffusée le lundi sur TF1. Exil à professeur de français débutante et balbutiante de lycée, la jeune femme change de voie et devient documentaliste au CDI, centre de documentation et d'information. Aurélie a pris confiance en elle, ce dont l'actrice se réjouit. L'année 2018 démarre décidément bien pour Charlotte Gassio, qui apprécie les joies de la maternité. La fille de Michel Bernier et Bruin Ogassio a donné naissance en novembre dernier à des jumeaux, prénommés Zoé et Roméo. Interview sur un petit nuage égal à.fr. Vous interprétez Aurélie Schneck. Pouvez-vous nous parler de ce personnage / Charlotte Gassio. Aurélie était prof de français. Elle avait beaucoup de mal avec l'autorité, à se faire obéir des élèves. Dans cette deuxième saison, elle est devenue documentaliste, elle travaille au CDI. Elle y trouve bien ses marques / Elle avait pris confiance en elle déjà à la fin de la première saison, là elle a trouvé sa voie professionnelle. Puis elle tombe amoureuse, ça lui fait beaucoup de bien / C'est un personnage qui évolue en positif. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter ce rôle / C'est un rôle joyeux / C'est un petit bonbon au sein de cet univers un peu rebelle, un personnage assez léger et sympathique. C'est plaisant de l'interpréter. Quel point commun partagez-vous avec Aurélie / La bonne humeur / C'est une fille qui est assez joyeuse, assez fleur bleue, je pense que je suis comme ça aussi. Par contre, on n'a pas les mêmes défauts du tout / Rire, elle a du mal à se faire entendre, et ce n'est pas un complexe que j'ai. Rire, vous avez donné naissance à des jumeaux, Zoé et Roméo, en novembre dernier, félicitations / Comment arrivez-vous à gérer vos différents emplois du temps / Merci / Pour l'instant, je suis en congé maternité donc je m'occupe de mes enfants. J'ai des jumeaux parfaits, ils ont fait leur nuit à 1 mois et demi, ils sont merveilleux / Ils sont tout petits, ils vont avoir 3 mois. Ça se passe très bien, ils sont très mignons, ils font 1 milliard de sourires par jour et quel genre de maman êtes-vous / Je n'en sais rien / Rire. Je découvre encore. Je ne crois pas être une maman stressée. Mais je suis débutante, je découvre ça un peu plus tous les jours. Je suis ravie d'avoir eu un garçon et une fille en même temps, leur apprendre à se respecter l'un et l'autre de manière égale pour mon féminisme. Ça fait beaucoup de bien / Et avec le papa, Sébastien Pont, comment ça se passe / Très bien, j'ai beaucoup de chance. Je savais qu'il serait super, il est encore plus super que ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie / Il est vendeur de voitures. On ne fait pas du tout le même métier / Mais tant mieux, ça fait du bien de parler d'autre chose à quelqu'un qui n'a pas les mêmes contraintes. Vous avez commencé à poster des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, mais on ne voit pas leur visage et tant qu'ils ne peuvent pas dire si ça leur plaît ou pas, je ne mettrai pas leur visage, même sur mes pages plus perso qu'Instagram et je préfère qu'ils puissent me dire si ça les amuse ou non, que ce soit à eux de décider et pas à moi.
les gens qui veulent les voir, qu'ils viennent les rencontrer / Si vos enfants se retrouvent dans quelques années avec une prof comme Sam, comment réagiriez-vous / Quelle chance / Je n'étais pas très adaptée à l'école. Si jamais mes enfants ont le même problème que moi, je pense que ça leur ferait du bien de tomber sur quelqu'un comme Sam qui a ses propres codes, qui s'intéresse aux élèves vraiment pour ce qu'ils sont et pas que pour les notes qu'ils ont. Le prof idéal selon moi, c'est celui qui n'oublie pas qu'il se trouve face à des humains, avec leurs forces et leurs faiblesses. Il faut mettre en avant leur personnalité, savoir que ce n'est pas parce qu'on est nul en maths qu'on est idiot, on est peut-être bon ailleurs. Quel genre d'élève étiez-vous / Une élève du fond de la classe. Rire, les cours m'intéressaient mais je n'étais pas très adaptée à l'école. Quand je suis allée dans le privé, dans des classes plus petites, on s'intéressait plus aux élèves pour ce qu'ils sont. Là, ça commençait à aller mieux et vous vouliez déjà devenir actrice à l'époque / C'est un métier qui m'a toujours fait envie. Je faisais des spectacles, je me déguisais, je prenais ma brosse à cheveux et je faisais des concerts devant mon miroir et puis, vivre ce métier tous les jours avec ma mère, ça avait l'air vraiment chouette. Quel genre de grands-parents sont vos parents, Michel Bernier et Bruin Ogassio / Gaga, complètement / Vraiment super, ils trouvent leur marque de grands-parents. Ma maman étant à Paris en tournage, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est chouette de nous découvrir dans nos nouveaux rôles, à toutes les deux. Mon papa aussi, c'est un super grand-père. C'est encore plus d'amour rajouté dans la famille / Ils sont tous les deux très présents, ils vont continuer à l'être de plus en plus dans la vie des enfants. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2018 / Que mes enfants soient en bonne santé, que tout le monde continue à aller bien et une éventuelle saison 3 de Sam, que j'espère très fort / Crédit photo, PJB / SIPA. Veuillez saisir un e-mail valide. Je m'abonne, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.